Il y a des temps qui favorisent la prospection du brochet. Comme aujourd'hui, on a un temps qui est assez sombre avec une petite pluie fine. Pour ça, on pourrait se dire que c'est une pêche très très intéressante pour le brochet. Le vent aussi est intéressant. Un peu de vent, un ciel sombre très très bas, avec une petite pluie fine, c'est bon. Après, cela augmente les chances de prendre du brochet. Mais cela ne veut pas dire que quand ces conditions, vent, luminosité et pluie sont réunies, on est sûr de faire du brochet, mais cela augmente considérablement les chances de capture et la réussite de la sortie pêche. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le meilleur temps pour le brochet? Alors le meilleur temps sur le brochet, d'une part, est dû très certainement à la pression atmosphérique. C'est-à-dire que quand la pression atmosphérique est constante, c'est pas spécialement terrible. Mais quand il y a un changement brutal, là c'est plus intéressant. En plus, si c'est mêlé d'une luminosité assez faible, voire grise comme aujourd'hui, avec une petite pluie fine et du vent, c'est vraiment des choses très très intéressantes. Et là, il faut sortir pour essayer de, je dis bien essayer, hein, de prendre du brochet. Mais c'est un facteur supplémentaire pour augmenter ses chances de capture du brochet. Le vent, la pluie, la pression atmosphérique et la luminosité. Ces quatre facteurs-là, bien associés, font que la partie de pêche est plus que positive. Un autre facteur intéressant pour la pêche du brochet, c'est ce qu'on appelle l'effet silhouette. Alors qu'est-ce que l'effet silhouette? En fin de compte, c'est une adaptation qu'a le poisson à percevoir la couleur et la forme des leurres à certains moments de la journée, notamment le matin et le soir. Le matin, lorsque le soleil se lève, les formes et les couleurs sont beaucoup plus perceptibles pour le brochet. Et le soir, lorsque le soleil se couche, c'est exactement le même phénomène. Ces deux facteurs-là sont une fois de plus très intéressantes pour une sortie pêche. Évidemment, il est aussi recommandé de pouvoir pêcher dans la journée, bien évidemment. Mais les matins et les soirs, lever du soleil, coucher du soleil, super intéressant. Super intéressant. Alors, où trouver le brochet? Grande question. Alors, le brochet, on le trouve déjà dans des eaux de seconde catégorie, hein, dans des fleuves. Et c'est un poisson qui a tendance à se cacher, un mimétisme qui va se mettre aussi bien dans les algues, dans les potamos, dans les grands herbiers, aussi bien dans les branches.
car c'est un poisson qui est toujours à l'affût. C'est pas un marathonien, c'est un sprinter. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il a détecté une proie près de l'endroit où il est caché et qu'il a faim, il va bondir à une vitesse éclair. C'est pour ça que quand on a des touches, c'est vraiment des touches, c'est des coups de pétard que l'on prend dans la canne. Donc c'est un poisson qui est très 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 rapide. Alors on le trouve évidemment dans les endroits encombrés, c'est pour ça que la pêche au Texan est plus intéressante parce que ça permet de prospecter un petit peu plus dans les branches. Mais on va le trouver aussi dans des moments de la journée, notamment avec des temps très intéressants comme le vent. Le vent va balayer la surface de l'eau et la surface de l'eau va avoir des phénomènes de vaguelettes, ce qui va favoriser la pêche du pêcheur car le carnassier ne verra pas spécifiquement ce qui se passe au-dessus. Par contre, cette eau qui est battue par le vent va justement dans les anses, là l'eau est vraiment frappée par le vent et cette eau amène des matières en suspension, que ce soit des animaux, des insectes. Donc les poissons blancs, eux, vont être à la recherche de la nourriture puisqu'elle s'est agglomérée dans ces endroits-là. Et évidemment, si vous trouvez les endroits où le poisson blanc est en pleine activité d'alimentation, très forte chance que le carnassier soit pas très très loin. Un autre endroit où on peut trouver les brochets, c'est les sorties de ruisseaux qui se jettent dans les fleuves. Ça amène aussi bien des poissons, il y a des allées et venues, un petit peu dans ces eaux-là. Donc le carnassier, lui, il est toujours près de ces zones-là parce qu'il y a toujours une opportunité pour lui, pour pouvoir s'alimenter. Alors il y a des règles dans la pêche, des règles à respecter, des erreurs à ne pas commettre. Une des principales, notamment pour la pêche du brochet, mais pour toute autre pêche, c'est d'arriver discrètement au bord de l'eau. Alors quand je dis discrètement, c'est, je prends un exemple, je vois très très souvent des pêcheurs qui arrivent au bord de l'eau et qui balancent tout de suite leur leurre en face, dans la berge en face. À mon avis, c'est une erreur monumentale. Déjà, arriver au bord de l'eau discrètement, observer, ça c'est une règle supplémentaire, et commencer à prospecter à côté de soi, soit à droite, soit à gauche. Et aller progressivement vers le milieu de la rivière, quitte à aller bien évidemment en face sur la berge. Mais ça, c'est des règles fondamentales. Si vous ne faites pas ça, vous diminuez vos chances de faire du brochet. Une autre règle qu'il faut respecter aussi, notamment pour la pêche du carnassier, c'est qu'il faut avoir des bas de ligne qui soient performants. Si vous êtes dans des eaux claires, il faut mettre des bas de ligne de 50, 80 centièmes pour pouvoir accrocher votre leurre. Un poisson qui a quand même environ 6 à 700 dents. S'il vous prend le bas de ligne sur le travers et qu'il se part de l'autre côté, la scie est tout de suite mise en activité. Donc il faut quelque chose qui soit très très costaud. Ça ne veut pas dire qu'un jour vous tomberez sur un gros et puis que si vous avez un bas de ligne par exemple en 50 ou en 80, ça risque de casser, ça c'est sûr. Ça dépend de l'angle que vous avez pris. Quand on est en berge, malheureusement, on ne peut pas faire très très attention à l'angle. On a des angles qui sont avoués. Quand on est en bateau, c'est déjà plus pareil. On peut trouver une dérive et lancer avec des angles bien spécifiques. Et ça, c'est des règles à respecter. Et puis, quand pour les puristes, quand l'eau se teinte un petit peu plus, il faut mettre des badlings un peu plus forts. Bon, il y en a qui mettent des badlings acier. Ça, c'est une solution. Et puis, lorsque vous pêchez avec des eaux qui sont un peu teintées, il faut pêcher avec des leurres qui sont flashy. Il faut que le poisson fasse un distinguo entre ce qu'il voit et ce qu'il va voir. Donc, les couleurs flashy sur des eaux qui sont piquées, un peu piquées, beaucoup piquées, c'est super intéressant. Si ce leurre-là passe dans l'angle de vision du brochet, à tous les coups, vous aurez ce coup de pétard dont je parlais tout à l'heure dans la canne. Ça, c'est certain.
Quel type de matériel à utiliser pour la pêche du brochet? Bon, déjà des cannes assez costauds, de la tresse, 6-8 brins, et des bas de ligne en fluorocarbone, 50 à 80 centièmes. Ça, c'est inévitable pour pêcher des poissons qui ont des très très bonnes dents. Après, il y a ce qu'on appelle les leurres. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les leurres, parce que d'une part, j'en ai pas la prétention. Et puis d'autre part, il y a des leurres, il y en a des milliers, voire des millions de tailles. Mais il existe certaines choses assez intéressantes qu'il faut avoir dans sa boîte. Le leurre souple. Différents types de leurres souples. Différentes couleurs également. Parce qu'un jour, vous pouvez pêcher avec des couleurs un peu plus claires. Ça ne va pas marcher. Vous allez mettre tout de suite du sonde derrière et ça va fonctionner. Donc leurre souple. Modèle Texan. Ou avec d'autres montages qui sont aussi efficaces, avec, évidemment avec des différentes tailles. Les leurres dures. Également, différentes couleurs, différentes tailles, différentes profondeurs par rapport à la palette qu'il y a devant. Plus la palette va être longue, plus il va tendance à descendre plus profondément. On peut évidemment le plomber si on veut que le leurre descende un petit peu plus bas. Ça, tout ça, c'est à vous de voir. Dans ces leurres dures, quand je parlais de toutes les couleurs, n'hésitez pas à les couleurs flashy, qui aussi bien qu'avec les leurres souples, fonctionnent dans les eaux qui sont teintées. Donc n'hésitez pas à avoir des couleurs flashy aussi bien en leurre souple, en leurre dure, pardon. L'inévitable, le spinnerbait. Le spinnerbait, ça pareil, toujours dans votre boîte. C'est le passe-partout à la pêche. Il peut même se classer même dans les... un jour on va à la pêche, on fait rien avec tous les autres leurres, on essaye ça et bing, ça marche. Est-ce que c'est lui qui marche ou est-ce que les brochets sont sortis à ce moment-là? Mais au moins, celui-là peut fonctionner dans tous les moments. Et puis, il peut aussi fonctionner dans les endroits encombrés. Ça, c'est du fait qu'il a sa jupe là. Ça peut être aussi intéressant. Différentes tailles, différentes palettes, hein, les palettes en feuilles de saule ou en colorado, ça vous avez plusieurs façons. Et puis une règle qu'il faut se mettre dans la tête, c'est quand vous allez à la pêche, faites-vous plaisir. Ça, c'est surtout le mot qu'il faut se mettre dans la tête. C'est se faire plaisir. C'est surtout ne pas penser que quand vous allez à la pêche, vous voyez un gars qui est parti dans votre secteur de pêche, vous dites « Ah bon, ça y est, c'est mort, je ne peux plus pêcher. » C'est faux. Vous pouvez aller pêcher après. La personne qui est passée avant vous est peut-être passée dans une colonne d'eau. Vous allez passer dans une autre colonne d'eau. Il est passé avec tel type de leurre. Vous êtes passé avec un autre type de leurre. Donc, il faut toujours, une, se remettre en question, ça c'est sûr, mais surtout se faire plaisir. La pêche, c'est fait pour ça. Et notamment la pêche du carnassier, parce que je dirais que c'est encore, on se fait encore plus plaisir au carnassier. Parce que c'est pas la pêche de la truite, c'est pas la pêche du poisson blanc, c'est la pêche du carnassier, c'est la pêche la très difficile. Mais quand on a mis toutes les règles, les unes au bout des autres, je dis pas qu'on va prendre du poisson, mais on va augmenter ses chances de pouvoir prendre du carnassier. Donc, allez à la pêche, faites-vous plaisir, et surtout, ne vous remettez-vous toujours en question de manière à ce que la journée d'après sera une autre journée. Allez, salut. Au fait, j'avais oublié, bien évidemment, no kill. Hein, on peut garder un poisson de temps en temps, mais la règle des 3 carnassiers par jour, ça c'est pour ceux qui les gardent. En France, on n'a pas beaucoup de brochets, donc les prendre, c'est bien. En prendre un, un prélèvement de temps en temps, ok, mais les autres, remettez-les à l'eau. Allez, salut, faites-vous plaisir.